C'est Jax et on se retrouve aujourd'hui sur FIFA 16 pour la suite de la carrière avec Luca Milani. On le voit à l'écran, je suis titulaire face au Stade Rennais, pas en tant que milieu offensif mais en tant que milieu centre. Bon voilà, il a préféré Valbuena derrière Beauvu et Fekir. Tant pis pour lui. Enfin, je crois pas que j'ai fait mes meilleurs matchs en tant que milieu centre, mais bon. On verra bien ce qu'il en sera. Et on va tout de suite partir pour le match. Alors, hop. Hop. C'est pas terrible, les maillots du Stade Rennais sont pas terribles du tout, même. Alors, Fekir, Beauvu, Valbuena. Donc moi, Ferry, Gonalon, Pedimo, Umtiti, Rose, Jallet et Lopez. Bon, composition plutôt classique. Et il pleut. Et il pleut. La pluie qui s'invite au stade de Gerland. J'avais perdu le nom. Mon dieu. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? C'était dégueulasse. Dégueulasse. Bonjour à tous, eh oui. Bienvenue à Lyon. Puis il pleut bien, hein, il pleut pas qu'un petit peu. Salut Hervé, ravi d'être avec vous ici à Gerland. Yukuba Silla, qui est acheté 2 millions. Investissement du côté rennais. Et c'est parti. Allez, allez, gars, faire le pressing tout de suite. Allez, ici, toi. Ah, il m'a eu, hein. Il m'a eu. Attention. L'ouverture du score. Elle est rennaise. Dès la première occasion, alors ça, je crois que c'est Silla en plus. Oh, le coup de massue à Gerland. Ah ouais, non mais là, puis elle est belle sa reprise. Ouais, Lopez ne peut rien faire là-dessus, c'est à bout portant. Ouais bon, il plonge peut-être pas bien non plus, mais... Mais là, non, elle est belle. Elle est jolie, y'a rien à dire. Alors, j'aimerais bien savoir qui c'est qui a marqué. Ah non, c'est Giovanni Sio. Oh là là. J'étais pas du tout parti sur lui. Allez. Tiens. Ouais. Allez, Henri. Godalon. Ah, il a voulu trouver Valbuena, Fekir, mais il l'a pas trouvé. Ah, mais là, par contre, là, tu m'as un peu pris à dépourvu, bonhomme. Je crois que ça devait être Tolisso qui m'a pris à dépourvu comme ça. Je m'attendais pas à avoir le ballon comme ça, donc ouais. Un peu surpris. Ouais, jolie celle-là. Jolie transversale. Ah, ils en rejouent, ils en refont une. Hein. Bon dieu! On n'a pas l'impression qu'on joue à domicile, hein. Oh, c'est bien vu ça. Jusqu'à Sio. Enrique qui centre. Repoussé. On va peut-être revenir avec Mbengue. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Oh là là, le 2-0. Le 2-0, René. La douille. La grosse douille. Oh purée. 13 minutes de jeu, on se fait déjà corriger 2-0. Ça pique. Ah, ça pique là. Ça pique très fortement. Valbuena qui est battu par Mbengue. Qui offre un... Un réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Ouais. C'est joli ça. Hein. C'est joli. Bon, bah on est dans la merde. Ah non, même Valbuena. Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est quoi ces passes aussi? Les gars, on est à Gerland là. Un peu de respect pour vous, je sais pas. Mon dieu. On peut pas gagner avec des bourricots pareils là, parce que là, j'ai pas l'impression qu'on soit dedans.
on se fait balader. Là c'est Rennes qui a les... c'est Rennes qui a le ballon et c'est moi qui récupère. Allez. Bon, on va jouer sur Godalon, hein, qui me la remet. Allez, allez, bonhomme. Allez, le centre. Le centre. Il n'y a personne. Bah, du moins, c'est pas Valbuena qui allait le reprendre non plus. C'est dommage, on avait eu une bonne phase là. On avait eu une bonne phase de possession et bon. Il n'y avait pas beau vu au centre. C'est con. C'est con que ce soit Valbuena parce qu'avec beau vu, ça aurait pu faire mouche. Hein. Allez là, allez, faut se réveiller là. Voilà comme ça. Avec l'appel de Kiki. Ah, j'ai voulu rejouer sur Fekir. C'est moi qui me suis loupé. Voilà, je récupère. Allez pour Valbuena. Ça joue vite, ça joue vite, ça joue bien. Ah, dommage. Ntep qui est bien revenu avec Armand. Zéphane. C'est pas un ancien Lyonnais lui, Zéphane? Ah, je crois. Du coup, ça joue long. Merem Bengue. Fernandez. Fekir, le beau tac de Fekir. Ah, c'est récupéré. Je crois qu'il est blessé. Ouais, il y a une blessée. Alors, je sais pas c'est qui. Ouf, ouais, il a bien chopé. Mais bon, c'est réglo, hein, il joue le ballon. Et la sortie de Mexer. Pour l'entrée de Ludobal. Bon, ouais, du coup, hop, ils ont récupéré le ballon. Bon, je me suis loupé. Y'a pas faute, y'a pas faute, y'a pas faute. Cette récupération de Milady. Ah, j'ai mal joué. Mais je pensais que Godalon allait venir au moins. Ah, il est pas venu aussi. Il a pas suivi Maxime. Ah bon, là on se fait quand même assez. Oh, j'ai tenté. J'ai tenté d'y aller tout seul. Alors là, je voulais éliminer lui. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Giovannicio. Et le centre. Pour Ntep. C'est pas cadré. Pas cadré. Mais bon, il y a corner. 63% de possession pour Rennes. Alors là, on se fait bouffer. Ah, je me bats, j'essaye de me battre. Je récupère pas. Ah, il y avait Fekir qui avait fait l'appel là. Godalon, j'allais. Christophe Jallet. Allez, Tolisso. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a Fekir. Non, si. Fekir au beau vu. Ah là là, l'habitant, l'habitant. Ouais, bon, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux du tout. On n'a pas fait un tiers du match, ils en ont déjà fait 3. Ils gagnent 2-0. On a vu mieux, hein. Franchement, on a vu mieux. Tu as 12 passes. Mais bon, ça suffit pas. Ça suffit pas. Bon, bah, allez, on est reparti.
pour la seconde période. La sortie de Ferry pour Renier. Alors attendez, j'ai dit Tolisso tout à l'heure. C'était pas Tolisso, c'était Ferry. Voilà, oh super. Un petit peu prostré quand même. Non mais j'ai du mal à reconnaître les joueurs comme ça. Alors que le terrain est bien dégradé hein, quand même. Avec oh là, je me suis gêné avec lui. Quel con. Mais quel con. Ah, pff, je suis le seul à faire le pressing aussi. Oh là là. Quelle bande. Là ils sont passifs. Hein. Allez les gars, merde. La rumeur a été confirmée, c'est officiel. Javier Pastore a signé. Allez là. À l'Atlético Madrid. Alors que Pastore aurait signé à l'Atlético. Ouais, plutôt surpris. Hein. Plutôt surpris de voir Paris lâcher Ravière comme ça. Non, non, je l'ai pas appelé. J'ai oublié de redescendre pour avoir des ballons. C'est quand même assez complexe. Mais t'es obligé de. Quand tu vois que t'es milieu centre et que tu dois redescendre assez bas pour avoir un ballon. Un petit peu tendu. Oh, obligé de concéder la touche. Oh, on n'est pas dedans. Là, ce match-là, on est vraiment pas dedans. Ah, je récupère. Allez. Qu'est-ce que tu joues aussi haut, Gonalon, toi? Ouais, mais bon, ça c'est pourri comme passe. Mais c'est pourri comme passe. Enfin, j'ai pas réussi à mettre le pied. Bengue. Pour Ntep. Oh, Ntep qui est passé sur Jallet. Il va peut-être pouvoir centrer. Et oui, Paul-Georges Ntep. Repoussé jusqu'à Valbuena. Et Gonalon. Et la contre-attaque. C'est pas là que je veux la mettre. C'est pas là que je veux la mettre. C'était prévu pour Fekir. Alors là, on passera pour Fekir. Oh, je suis passé. Oh, je suis passé. Oh, je suis passé. Oh, pour Gonalon. Ah, il s'est loupé. Ça va, il récupère. Il récupère le centre. Non. Non, non, non. Bedimo a voulu recentrer derrière. Alors ça, je sais pas pourquoi. C'est pas comme ça qu'on va égaliser. C'est pas comme ça qu'on va égaliser. Bon, il nous redonne le ballon, il nous redonne le ballon. Allez, mais non, mais c'est pas là que je veux la mettre. Oh là 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 là. C'était pour l'attaquant là. Qui avait fait l'appel. Oh bah oui, mais bon, si aussi ça donne pas le ballon où ça veut. Je vais vraiment le mettre. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça fait déjà deux fois. Ça fait déjà deux fois. Les joueurs seront opposés au TFC pour cette prochaine rencontre et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Allez les gars, voilà, faut se battre. Ah mais bon, battez. Oh, oh, je l'avais récupéré. Ah ta 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 ta. Je pense qu'on est mal barré. Possession incroyable là, des Rennais. Hein. Bon, je pense que je vais sortir parce que je vais plus servir à grand chose. Je peux pratiquement pas courir là. Et Quintero qui remplace Fernandez. Le Colombien. Prêté par Porto. Voilà, c'est enfin la fin du cauchemar pour le gardien. L'arbitre qui laisse l'avantage. Allez. Allez, Fekir. Je te soutiens, je suis en soutien. Le centre. Ah ouais, bien capté. Bien capté par Costil. Ah dommage. Dommage. Je l'ai mal centré. Je l'ai trop mis sur le gardien. Bon. Ça semble compliqué quand même. Allez les gars. On va quand même essayer d'en mettre un quoi. Mettre la pression pour la fin de match. L'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire entrer du 109. Le même Valbuena il joue vachement bas. Maxime Gonalon. Oh c'est joli ça. C'est joli ça. De la part de Christophe pour le centre.
qui sera aussi sûr que Steele. Bon, décidément. Allez, on va faire la demande de jeu remplacement. Parce que de toute façon, là, je peux pas apporter plus, je pense. Ouais, mais ça. Mais ça, bonhomme. Bon, bah, je sors. La sortie. Et il y a un carton jaune qui va être donné à Giovanicio. Bon, bah, voilà. La sortie. Pour l'entrée de Tolisso. Ils sont passés en 4-3-3. Ah, ça expliquerait peut-être. Ça expliquerait peut-être Valbuena qui joue un peu plus bas. Ça serait pas impossible. Bon. Ouais. Est-ce qu'on a remonté ou pas? On a pris une branlée mémorable. D'accord. Ok. Alors là, on est très très mal au classement. 16ème avec que 3 points. Que 2 points. C'est pas terrible du tout. Bon, j'ai gagné 4 places. Alors 8-5. Je sais pas comment ils font les notes. Mais c'est absolument pas celle qui était affichée lors du match. Franchement, je sais pas comment ils font les notes là, mais elles sont bizarres. Elles sont strange. Alors que Lopez a perdu 5 places. Ouais. Je ne sais pas. Alors, on va faire un petit entraînement. Histoire de progresser. Alors, lui me suggère ça. Alors, moi, je vais prendre ça. Après, on va prendre. On va se faire. On va se faire ça. Et puis voilà. Allez, hop. On va les simuler. J'aime pas spécialement les faire, donc bon, autant les simuler. Hop, on progresse un petit peu. Puis on peut finir. Ah, je vais faire des coups de pied arrêtés aussi. Ça peut être sympa de progresser là-dedans. On va faire ça. Et puis on va faire un petit peu de travail défensif. Ouais, allez. Histoire de dire que ça soit fait. Bon, alors là, D et F. Mon dieu. C'est pas terrible. Mais bon, du coup, on peut avancer. Mandanda demande à être transféré. Le départ possible de l'OM. Jessie qui espère recruter Boateng. Un rappel de l'offre de prêt. Ouais, mais non. J'ai pas envie d'aller en prêt. Je joue. Pourquoi aller en prêt alors que je joue? Et je serai titulaire face à Caen. En tant que milieu offensif cette fois. Donc on bascule un peu entre les deux. Pourquoi pas. Mais bon, je suis pas trop fan d'être basculé comme ça. Autant être fixe quand même. Bon, après je joue. Donc on va pas se plaindre non plus. Alors, donc on est à l'extérieur face à Caen. On est capable de se faire battre encore, hein, vu le niveau affiché. Alors, Fekir, Bovu, Milani, Tolisso, Ferry, Gonalon, Bedimo, Umtiti, Bisevac et Raphaël. Et c'est bien sûr Lopez au but. Lopez indétrônable. Bon. On y croit. Faut ramener 3 points, ça serait pas mal. Mais bon, on va quand même pas se mentir, le fond de jeu est assez inexistant. Fond de jeu plutôt inexistant depuis le début. Même s'il y a eu quelques. Je peux dire qu'il y a eu quand même quelques espoirs, hein. On n'est pas non plus totalement la tête sous l'eau. Mais pas que. C'est défensivement, on est plutôt à la ramasse. Allez, faut que je fasse un gros match. Il faudrait que je sorte mon match référence parce que. Mine de rien, pas très simple. Voilà, un peu plus agressif, c'est ça qu'on veut, les gars. Ah là là, c'est
c'était long ça, c'était long. Je sais pas si c'était pour Bedimo ou pour moi, mais c'était vachement long. Coupe là, petit contact. Attention, attention. Bessa. Moreau. Allez, bah allez dessus là, le pressing les gars. Ouf, je suis passé à travers. Je suis passé à travers. La frappe dans le centre. Ouh, le centre. Jusqu'à Louis. On aurait pu faire bouche. Hein. Ah, j'y ai pas cru. Hein. J'ai cru que c'était une frappe qui était totalement manquée. Et en fait, non, c'était un centre. Battu de la tête. Battu de la tête. Ah, attendez, on va quand même pas refaire le même match que face à Rennes. Hein. Là, c'est quand même Caen, quoi. Même si Caen a une belle équipe. Hein. Notamment une belle attaque avec Delors. Mais c'est quand même pas non plus... Oh là là, il y a faute, il y a faute, il y a faute, monsieur l'arbitre. Il y a faute sur Raphaël, bien sûr. Écoute, j'aimerais bien toucher un ballon quand même, parce que voilà quoi. Ouais, battu de la tête encore une fois. Hein. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Ça joue long. Ça joue long, Very Moru. Da Silva. Et ça. Encore une belle balle sur le côté. Da Silva. Iboru de la place. On récupère, on récupère. C'est quoi ce contrôle? Mais c'est quoi ce contrôle? Je fais l'appel, je fais un contrôle dégueulasse. Mon Dieu. Voilà. Fekir. Qui sait pas quoi faire du ballon. Allez, 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 allez. Plus fluide. Vers Raphaël. Raphaël qui est passé. Oh, il s'est fait rattraper. Ah, j'ai tenté la frappe. La frappe qui est pas passée. La frappe! Pou pou pou! Ma première frappe, je crois, à Lyon, qui passe. Et c'est repoussé par Vercoutre en corner. L'ancien lyonnais. Ah là là, j'ai essayé de l'enrouler. Mais bon, bien, bien sorti par Vercoutre. Ouais, bon. Si vous comptez sur moi pour mettre un but de la tête, c'est mal barré quand même. Mais bon, on a eu une première occasion. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Avec Iboru. Qui a joué, je pense, en retrait. De la place. Lui. Qui est passé. Il est passé. Bon, on récupère. Bonne défense de Bedimo. Bonne défense de Bedimo. Hop, je préfère rejouer en retrait. Ah là 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 là, je suis pas passé. Je ne suis pas passé. Oh, faut se battre. Voilà. Allez, c'est pas. Allez, continue, madame. Oh, y'a faute. Ah oui, là j'ai mis un petit tampon. Un petit tampon, ouais. Pas non plus de quoi prendre un jaune. C'est long. Allez. Mais c'est quoi ça, madame? Mais non. T'as pas le droit. Ah, t'as pas le droit de louper ça. Ah non, mais ça, t'as pas le droit de louper ça. Je fais le pressing puisqu'ils sont pas enclins à le faire chez nous, donc c'est moi qui fais faute. Ah ouais, visiblement. Ouais, bon, pas non plus de quoi casser une patte à canard, quoi.
Voilà, je récupère. Attaque très propre, une belle interception. Y a pas faute? Allez, touche. D'accord. Ok. Alors ça. Pour ça, on repassera. Hein. Bah oui. Mais monsieur, là. Faut gueuler. Il faut gueuler. Gonzalo. Avec Raphaël. Raphaël qui passe. Ah ouais, mais là j'y ai pas cru. Là j'y ai pas cru du tout. J'aurais peut-être dû. Qu'est-ce qu'il fait Vercoutre? Vercoutre il craque. Hein. Là il a craqué complet Vercoutre. Alors que la possession elle est pour quand? Ah j'en sais gêné. Ah je pensais qu'il me l'aurait glissé un petit peu plus. Le centre. Pff, ouais. Hors jeu complet. On n'est pas dedans. Il y a de la volonté, mais on n'est vraiment pas dedans. Moi de même, hein, parce que j'ai me gêné avec un coéquipier, donc c'est pas exceptionnel. J'ai tendance en fait à m'excentrer, j'ai l'impression. Ouais, j'ai un peu l'impression que je m'excentre beaucoup sur le terrain, pas forcément comme il faut. Alors qu'il y a un coup franc. Par Fekir, la tête de Milani! Oh là 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 là! Mon Dieu! Et c'est manqué derrière par Beauvue. C'est pas possible. C'est pas possible, ce manque de finition. C'est incroyable, un tel manque de finition. Là, j'avais mis un bon coup de crâne. Hein. Repoussé en délicatesse par Vercoutre. Mais bon. Il y a Beauvue qui arrive pas à le reprendre correctement pour le mettre au fond. Alors qu'il était tout seul. Hein. Il était vraiment tout seul là. Le Claudio. On récupère. Allez, on se projette devant. D'accord. Ok. L'arbitre préfère mettre la biscotte à Saïdi Etibasongkisa. J'ai bien prononcé. Pas sûr. Bon, je pense que ça va être l'habitant. Hein. Ouais. Je pense que ça va être l'habitant. Et c'est l'habitant. L'habitant. Pas glorieux. C'est pas glorieux du tout. Enfin bon, cette fois, on a les occasions. On peut pas dire le contraire non plus. Les occasions sont là. Voilà, 4 tirs, 3 cadrés. Pour un tir du côté de Caen. On a juste pas la possession. Je crois que je suis à deux tirs. Hein. Enfin, je suis à deux occasions dans ce match. On va vérifier. Ouais, c'est ça. Je suis même à trois tirs, vous voyez. Pas cadré, ils disent. Ah si, cadré. Trois tirs cadrés. Donc je suis à trois tirs sur les quatre. Mon Dieu. J'ai fait que quatre passes. Ouais, je touche pas de ballon. Je touche pas beaucoup de ballon. Il va falloir changer ça. Allez, on est reparti pour la seconde période. Avec la sortie de Tolisso pour l'entrée de Clément Grenier. Non, c'est qu'il sort beaucoup de monde à la mi-temps. Et c'est donc parti pour la seconde période. Allez, on va jouer. Faut jouer simple. Il faut jouer simple. Faut pas chercher compliqué. Ah bah, évite de m'envoyer des sacoches comme ça, mec. Oh, pour Grenier. Ah, t'aurais peut-être pu tenter quelque chose, Clément. T'aurais peut-être pu y aller tout seul. Hein. Récupération par Gonalon. Oh non, mais pas ça. Faut pas faire ça. Il y avait plus simple à faire, je pense. Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup plus simple. Ah, c'est quand même difficile d'alimenter les attaquants. Hein. Allez, on touche. On récupère. Avec voilà. Allez. Titi. Gonalon. Ferry. Ça, c'est mal joué. C'est très mal joué. Est-ce que Raphaël va récupérer son erreur? Non.
Oui, si, il a récupéré son erreur. Ça joue en retrait vers Lopez. D'ailleurs, on lui a mis de belles bides à Lopez. Hein. Allez, Umtiti. On rejoue vers le 5, c'est pissé match. Gonalo. Grenier. Gonalo. Ça, je sais pas compris ce qu'il a voulu faire là. Maxime Gonalo. Là, on joue en retrait vers Vercoutre du côté de Caen. Prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Transversal. Veriboru. Da Silva. De la place. Iborou. Da Silva. Ouais. Bon. Là. Il va falloir faire quelque chose. Hein, parce que c'est pas possible de. De laisser la possession aux adversaires. Il n'y a pas de pressing. Il n'y a pratiquement pas de pressing. Allez là, mais venez avec moi dessus au moins. Regarde, regardez ça. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi je suis un peu paumé sous le terrain aussi. Mais allez, mais bats-toi, mais va dessus. Oh là 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 là. What? D'accord, ça m'a décalé au dernier moment. Alors, avec Lopez qui joue. Ça joue vite, allez, allez, faut se projeter devant là. Faut pas tergiverser là. Allez, c'est parti, je suis retenu par le maillot là, monsieur arbitre. Penalty! Bah, penalty! Mais bien sûr! Bah bien sûr, oh bah là oui. Ah là oui. Bah oui, Da Silva là, il y a plus de temps qu'il me chope le maillot lui. Là j'ai fait un peu mon italien quand même. J'ai plongé dans la surface. SEB qui sort pour J'ai pas fait gaffe. Et Balbuena qui rentre à la place de Ferry. Bon, qui c'est qui le tire? Ça semble être Beauvu. Claudio. Et ça c'est bien Beauvu. Et oui, c'est bien Beauvu. Qui ouvre le score pour Lyon. Sur penalty. Penalty que j'ai obtenu. Bon, le gardien n'a pas bougé. Vercoutre passif. Hein. Sur le penalty, il est passif complet. Et Beauvu qui met son premier but en Ligue 1 cette saison. Il a fallu attendre un penalty. Alors là. Mon Dieu. Quand même pas gagnant. Hein. Voilà, on récupère avec Valbuena qui redonne tout de suite le ballon. Et quand il part à l'attaque, bonne récupération de Grenier pour Gonalon. Ah, t'aurais peut-être pu me la mettre, Bédibo. T'aurais peut-être pu me la mettre. Gonalon. Pour Grenier. Bien joué sur Gonalo. Avec Fekir. Je suis un petit peu haut là. Allez, c'est passé. Ah, j'ai pas voulu la passer au milieu. Il y avait eu un appel. Il y avait eu l'appel de Fekir. Ça a mis trop fort, j'ai mis trop forte. C'est ma faute. Je fais pas un grand match. Malgré le pénalty obtenu, c'est plutôt bof. Et la sortie de Iborou pour l'entrée de Basile. Si on pouvait faire le break, ça serait pas mal non plus. Oula, ça pète devant. Il a pété complètement ça devant. Oh, Pepu. Pepu récupérer. J'essaie de me battre. Je suis un petit peu cuit aussi. Ah, Raphaël battu. Par Bessa. Appia. Bessa, Appia. Ça pousse du côté de Caen. Je
J'ai vu tacler pour essayer de couper la trajectoire. Je récupère. Je récupère avec Fekir. Ah ouais, on préfère jouer en retrait. Quel dommage. Quel dommage qu'on préfère jouer en retrait. Hein. Bon allez, on conserve. Faut conserver. Faut conserver. Il y a peut-être la première victoire de la saison. Qui est au bout. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Le sauvetage. La barre. Oh lolo. Quelle erreur là. Tant pis, moi je vais en touche. Oh là là, c'est pas possible. Les lacunes qu'on a, mais c'est incroyable. Je suis passé. J'ai récupéré le ballon. J'ai récupéré le ballon. La frappe. C'est quoi cette frappe? Oh non, mais c'est quoi cette frappe? Sérieusement. Ah, quel abruti. Ah, furé. Ah, la frappe totalement manquée. Le manque de lucidité, là, il est flagrant. Allez, on joue une touche. Et c'est fini. C'est fini. Première victoire lyonnaise. Elle sera à l'extérieur face à Caen. Sur un pénalty obtenu par moi. Qui a été transformé par... par Claudio Beauvu. Bah alors là, pas énorme. Hein. On a pas bien joué. Moi le premier. Beaucoup d'erreurs techniques. Puis cette frappe à la fin résume bien mon match. Hein. Complètement foiré. Mais bon, l'essentiel, c'est les 3 points. Et ils ont été ramenés. Bon après, quand, mis à part la dernière action, ils ont pas été très dangereux non plus. Donc tant mieux. Tant mieux. Ça va donner un petit peu d'air au championnat et... Pardon. Et c'est pas plus mal. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là-dessus. Sur cette victoire face à Caen. Un petit point sur les objectifs avant quand même de se quitter. Alors, je suis au-dessus de mon objectif prioritaire qui est d'avoir une note moyenne de 6. Je suis à 7-6. Mon taux de passe est au-dessus de ce qui est prévu, donc je suis à 80% actuellement. Par contre, but créé, bah, je suis à 0. Et occasion créée, je suis à 0. Alors, je veux que tu te crées plus de 30 occasions de but. Alors, ma tête n'a pas été comptée comme une occasion de but. Ouais. Et l'obtention de mon pénalty n'a pas été comptée non plus. D'accord. Pourquoi pas. D'accord. Ok, bon, bah, si vous voyez les choses comme ça, y'a pas de soucis. Hein. Et du coup, on est remonté 11e. Ok, bon, bah ça marche. C'est pas trop mal encore. Je sais pas qui est en tête actuellement. C'est l'OM avec 9 points. Donc l'OM avec 9 points et qu'un match en retard. On n'est pas encore trop loin. Hein. Globalement, on est qu'à 2 points du LOSC. C'est pas totalement cuit. Un début de saison plutôt mitigé avec une victoire, 2 nuls et une défaite. Bon, on va peut-être monter en puissance. Je l'espère. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouvera pour la suite des aventures de Luca Biladi dans un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.